Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour ce nouveau mode de jeu d'été sur Overwatch. Et si vous connaissez néanmoins Rocket League, vous allez avoir le sourire. J'ai des coéquipiers AFK, mais c'est pas grave, on donne tout. 1v3, on s'en fout. Bien évidemment, ce mode de jeu, c'est vraiment cool. Alors certains vont dire, oh, plagiat Rocket League, etc. Mais vous inquiétez pas, s'il y en a qui ne connaissent pas Rocket League, ça va leur faire de la bonne pub. Et voilà, premier but. Pourquoi? Bah parce que, en fait... Si des gens ne connaissaient pas Rocket League, ils vont se dire « Mais c'est terrible ce mode de jeu, c'est génial, il y a des jeux comme ça qui existent. » Et là, ils vont se renseigner et vont tomber sur Rocket League. Donc finalement, ça va faire de la pub à Rocket League, sachant que ce mode de jeu ne reste qu'une semaine. Et d'ailleurs, pour ce faire, il y a aussi des skins exclusifs. Je pense qu'il y aura une rotation avec différents de modes de jeu d'été. Bien sûr, pour ces Jeux Olympiques. Ah oui, notre gardien est sorti, c'est un fou. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, apparemment il veut pas aller dans les goals. Bon bah je vais aller dans les goals. C'est parti. Allez, contre-attaque. Bien joué. Bon bah du coup moi Rocket League ça va, je suis habitué hein. Mais après il y a des gens. Quand vous spawnez dans les buts, il faudrait quand même rester dans les buts. C'est la moindre des choses. C'est à peu près, voilà, chacun son tour. Bien sûr vous pouvez rester dans les buts 5 minutes si vos attaquants ne sont pas doués. Ou si vous ne l'êtes pas également. Oh, passe en arrière. Ils sont où mes défenseurs là? Ah oui, on a un là-bas qui est en train de faire un fight avec un gardien. C'est intelligent ça! C'est intelligent! Oh, bien joué, ma brain. Merci, le secourisme ici. Allez, Max, qu'est-ce que tu fais? Tu peux venir défendre ou comment ça se passe? Non, je sais pas ce qu'il fait. On dirait un bot. Tu sais, un bot qui fait gauche-droite devant les buts. Damn, on l'arrêt! Merci Lightbox de 5 mètres! J'ai des bras de 5 mètres, bien sûr! Oui, bah ça je voulais en parler, mais quitte à faire un mode de jeu cool, pourquoi le faire qu'à moitié? Parce que franchement, Lightbox, bon ok, sur l'onde de choc, tu comprends, mais parfois t'as des hitbox chelous, hein, genre la balle, elle passe par-dessus le mec, le ballon est dans son dos, il met un coup de poing et le ballon repart devant, tu comprends pas? Mais bon, on va plutôt tirer par là pour lui faire une passe. Oh mais cet arrêt réflexe mes amis, bien sûr les plateformes jaunes font sauter et vous donnent également un genre de bonus de vitesse. Et vous pouvez slide sur les murs. Alors ça c'était un vortex, hein. Rien à voir avec une hitbox chelou. En fait l'ultime de Lucio permet de vortexiser. Oh le but. Oh là là mais je suis trop bon, je fais un petit slide pour fêter ça. Ah j'ai pas eu le temps. Ah, merci, merci à Max hein, du coup, pour le coup, qui a repoussé le gardien. C'est magnifique. Voilà. Il s'est avéré intéressant. La technique du sale. Je pense que le mec là-bas doit péter un plomb. Le mec qui est dans les buts doit péter un plomb. Mais pour une fois, ça fait gagner. Je vais pas me plaindre. Alors ça, c'était un vortex. Sauf que la balle n'est pas venue parce qu'elle a été interceptée. Mais il y a des combos à faire, des trucs de ouf. Genre, vous allez dans les buts adverses et vous attirez le ballon. Allez, c'est bon. Encore une balle cadrée. Oh, bien joué. Il l'a décalé. Il est fou, il est fou, il est fou. Il est fou à flelou. Non. Oh, bien joué. Il y en a un qui a fait un vortex là-bas et du coup qui a enlevé les balles. Oh, yeah, baby. Celle-là, je l'ai décalé à temps. Non. Non, Max, Max, fais pas le con. Fais pas le con, Max. Oh là là. Tu es libre, Max. De faire le con sur Overwatch. Allez, c'est parti. Non, mais il fait n'importe quoi quand même, lui. Hein. C'est genre mais freestyle de l'infini. Allez. Ce dégagement. Allez, go, on y va, on va la chercher. Merde. Oh, lucarne. Oh là 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 là, le triplé, Zizou, engage-moi. Hop là, regarde, je repousse tout le monde. Et hop, le lob, lucarne gauche, magnifique. Xeleco est dans la place. 5 arrêts, 3 buts, 12 interceptions. Stoppez cet homme, les gars, stoppez cet homme. Ce dieu vivant de Dover League. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Je suis chaud, moi, envoyez les ballons. Ok, là on est bien. Allez, on va sortir histoire qu'ils aient une chance de marquer.
Ah, l'interception sur son ultime, bien sûr. Ouh, ça, c'était dangereux. Si son ultime était passé, il aurait attiré le ballon à lui. Ah, mais... Wow. Ouh. Le mec a tiré dans son camp, quoi. C'était chaud. Bon, petit arrêt, tranquille. Et ben ça, c'est plutôt bien passé, du coup. Ouais, oui, mais l'action, je sais pas laquelle ça va être. Peut-être le but de loin. Ouais, c'est le but de loin. Pim, le coup de poing qui tue. Cette survitesse. Et c'est là que vous pouvez faire un ultime pour aspirer la balle, pour pas qu'elle aille dans le but. J'ai déjà sauvé le truc comme ça. Allez les gars, votez pour moi, bande de rageux là. Allez, 3 buts, 5 arrêts, 46 000 interceptions quand même. Ah ben voilà, merci à toi. Merci à toi Lucio. Et par contre, c'est XP à mort, regardez cet XP. Ah, 1676, on va se refaire une game. On va se refaire une game quand même. On va attendre 3 secondes. Et puis comme ça, on va pouvoir ouvrir un petit coffre et parler des skins. Alors, recherche, let's go. Et en attendant, je vais vous montrer la galerie des héros. Donc on a un skin exclusif sur Ange, disponible uniquement pendant les jeux d'été, et peut-être même cette semaine. C'est dans les coffres d'été. Donc on a ce skin qui est magnifique, une belle coloration au final. On a également un modèle sur... Alors attendez que je me souvienne. Non. Diva. Diva, il y a un modèle. Ah, voilà, c'est reparti. Il y a beaucoup de monde qui joue à ce jeu, mode de jeu, et ça, c'est plutôt cool. Au moins, ça met pas 20 ans comme les modes de la semaine. Allez, 4 minutes à tenir. 4 minutes pour 1600 XP. C'est quand même assez violent. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et c'est 1-0, là là, d'entrée de jeu, encore une fois. Ça passe plutôt bien. Un contre. Alors oui, je sais, il y en a vont vraiment râler sur les hitbox, quoi. Mais c'est vrai que parfois, tu donnes des coups de poing. Là, je pense que le mec a donné un coup de poing. Mais tu sais pas pourquoi, le ballon, il a... C'est à moi quel engagement, les gars. J'y vais en freeride. En freeride. Non, je déconne. Oh. Bon, l'onde de choc. Oh non, ça y va. Poussez, poussez, poussez. Voilà, comme une femme enceinte. Faut dégager. Ah, les mecs, ils sont partis. Bon, bah, je vais rester dans les buts. Ah, dommage. Je vous envoie ça, les gars. Ok, c'est bien, ça contrôle, on entend les bruits de roller. Bon, ce qu'il y a de bien avec cette balle, c'est le fait qu'elle fait du son. Et ouais, écoutez, fermez les yeux. Vous avez entendu? Voilà, même les aveugles peuvent jouer à Overwatch. Maintenant, ils n'ont plus de raison de ne pas acheter Overwatch. Ils ont juste qu'à précommander le jeu. Enfin, plus précommander, ils ont plus qu'à acheter le jeu parce qu'ils peuvent jouer maintenant. Il y a du son, c'est ça qui est magnifique. Ils ont mis une balle qui émet des sons pour les aveugles. C'est bien. Parce que c'est aussi les Jeux Paralympiques, quoi. Les Jeux Paralympiques, c'est aussi important. Oh, il y a un genre de hitbox chelou. Ah, je voulais faire un truc de contre-stylé, mais en fait, j'ai fait de la merde. Allez, on y va, on y va, on y va. Parfois, tu sautes haut, quand même. Hein. Vas-y, repousse ça. Voilà, c'est bien. Hop, j'ai intercepté. Mais non, mais regardez les hitbox, je passe à travers la balle, bordel. Ok, parfois t'as un bras, tu touches la... Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, il me faut une onde de choc là pour la faire rebondir. Ok, on est bien, on est bien. Interception. Ça repulse. On est chaud! Oula, si toi t'es là, ça veut dire qu'il n'y a plus de gardien, ça craint. Ah, parce que les balles qui repartent en contre, c'est vraiment violent. Ok, on est bon. Team is retarded! Mais carrément, mec! Joue ta vie, bonhomme! T'as raison! Le penalty! Ah, c'était chaud, il l'a mis en pleine lucarne. Pleine lucarne, c'était dur. C'était dur, c'est parti vite, hein, c'est parti vite, regardez. Belle frappe, magnifique frappe ici. Je savais pas quoi faire, gauche droite. Ouais, c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud. Tant pis. Ça aurait été bien que pour le mode de jeu, tu sais, ça émet un petit peu d'onde. Tu peux régler la puissance avec la molette. La clé à molette, les cons que je suis. Mais les mecs. Ah ouais, carrément, tous les vortex pour rien du tout.
Ça va être marrant, ça va être marrant. 2-1 pour nous, on domine toujours. Petite balle à effet. Et c'est bon. Bien joué. Bien joué! Ah, il m'a fait peur! Qui c'est qui a fait ce vortex de ouf? Ah, ça méritait mon but là, franchement. Le mec, il a bien entendu que je me décale pour l'aspirer. Et ça, c'était bien joué. Moi, j'ai l'ultime prêt, hein. Donc, si quelqu'un peut me remplacer dans les buts, venez quoi. Oh, elle est belle. Dommage. On y croit encore. Bien joué, belle frappe. J'aurais peut-être dû la mettre à gauche. Ok, j'ai loupé la frappe, c'est pas grave. C'est dur à faire quand même les frappes, hein. On va attendre. Ouh! Allez, une vraie bête de scène, on leur met la pression, il leur reste plus que 35 secondes maintenant! Drain, une seconde à jouer! Oh, les réflexes encore! Oh, celui-là, il est beau. Mettez la pression. Mettez la pression. Ok, nice, nice, nice. Go! Oh, j'y vais! J'y vais tellement là. Sur cette action. Dommage. Ouh, c'était bien joué. Allez, on va up. On va ouvrir. Tu vois, nous, on est bien, quoi. Jaune, violet, rouge. C'est propre. Et ça, c'est son but, je pense. Alors, c'était à quel moment? Ah oui, c'était le but d'entrée, hein. Première seconde. Il s'est passé un truc tellement chelou. Et là, le gardien, il met un coup de poing, mais ça l'a mis dans son but, on sait pas pourquoi. Ok, bah c'est bien joué. On va ouvrir du coup le coffre. Deux arrêts. Deux arrêts quand même, hein, pas mal. Pas mal, notamment un très très important à la fin, avec le suspense d'un match de Rocket League. Bon après, globalement, étant donné que vous avez une hitbox de l'onde de choc qui est environ 10 fois plus grand qu'une voiture de Rocket League, c'est vrai que c'est un peu brouillon et que c'est vachement dur à marquer quand vous restez dans les buts. Mais bon. Après, le jeu est court, 4 minutes, ça XP à mort. C'est pour ça d'ailleurs que les coffres tombent rapidement et qu'il y a des skins exclusifs. Si les coffres tombaient lentement, voilà la panique quoi. On va ouvrir le coffre, on va voir un skin légendaire. Ah là là, c'est magnifique, que dalle. Ouais, des gueules. En plus, ils peuvent pas être achetés, hein, donc c'est attention à ça quoi. Donc on a un skin sur Diva, le skin Taiguki qui représente du coup la Corée, bien évidemment. On a notre skin sur Fatal à obtenir, bien évidemment, puisque c'est le skin tricolore. Et ouais, la base bleu, blanc, rouge, même s'il est moche. On a le skin sur Genji, qui est le skin Nihon, qui représente le Japon, bien évidemment. Nous avons pas le skin sur Lucio, d'ailleurs, que vous voyez. On a le skin McCree, qui est, lui, représentant des USA. Forcément, le western et les cowboys. On a le skin. Je crois pas qu'on ait May ni Farah d'ailleurs. Non, peut-être plus tard. On a le skin de Torbjörn qui représente la Suède. Voilà. Et je crois que c'est tout pour l'instant puisque les autres n'ont pas encore leur skin. Sûrement dans les autres jeux d'été exclusifs. Donc là, si vous voulez farmer, c'est le moment, les gars. Vous n'avez pas le temps à perdre, pas le temps de niaiser. Go vous faire plaisir. Pour l'instant, il y a une petite rotation des skins. Donc go, go, go. Ouais, ces skins-là, ils sont stylés. J'aurais préféré, vous voyez, ces skins-là. Plutôt que les skins qu'ils ont fait, genre tricolore, bizarre. Là, les skins sportifs, comme ça, c'est classe. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée. J'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être même aussi sur d'autres jeux. D'ici là, petit pouce en l'air et à la prochaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.